va pas, ça va pas. De vous retrouver pour cette Assemblée Générale. Rapport d'activité de 2019. L'UNC de Loir-et-Cher a été représenté par le comité directeur départemental à la réunion des présidents à Paris le 2 février par notre président départemental Marcel Henry, Suzanne Lefebvre et moi-même, à l'Arc de Triomphe à Paris le 3 février, aux cérémonies officielles de Blois et dans le département. Joël Nassy, Claude Gauthier, Jean-Claude Prieur, Jean-Claude Loisy. Voilà, alors, j'avertis nos autorités, ce sont des médailles associatives et moi je tiens à ce que ces médailles soient remises par des membres de l'association. Voilà. Bon, et on va donc commencer par Michel Arrault, la médaille du Djebel bronze. Ben, en fait, j'avais oublié, je vais la remettre. Au nom du président, oui c'est mieux, au nom du président national de l'UNC, j'ai l'honneur de te remettre la médaille du Djebel bronze avec nous. C'est de la section de Swen, oui, d'accord. Liliane Loiseleur, médaille de bronze du mérite UNC, remise par André Aujard. Au nom du président de l'UNC, je vous remets la médaille de bronze de l'UNC pour soutenir les gens. Colette a choisi sa médaille. Bien. Alors, Colette Luze, secrétaire général départemental, remise par le président Marcel Henry. Vous pouvez pas faire autrement. Alors, au nom du président national de l'UNC, Madame Luze, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de bronze du mérite UNC. Madame Martine Tancrède, présidente de la section de Mur de Sologne. Médaille de bronze du mérite UNC, remise par Roger Cordet. Madame Tancrède, présidente de la section UNC de Mur de Sologne, j'ai, au nom du président national, j'ai l'honneur de vous remettre cette médaille de reconnaissance de l'UNC. Alors, médaille d'argent. Bernard Dagnou, président de la section de Romorantin-Lanthenay. Normalement, c'était. Jean-Marie, il est là. Jean-Marie, t'es où? Allez, viens. T'es pas occupé, alors tu peux le faire. Non, parce que. Il veut me faire faire tout le boulot. Mais normalement, il. Alors, Bernard Dagnou, président de la section de Romorantin, médaille d'argent du mérite UNC, remise par. Jean-Marie Hutto. Au nom du président national, je te remets cette médaille de l'UNC, médaille d'argent du mérite de l'UNC,
pour tous les travaux que tu as faits au sein de notre association. Joël Dessis, président de la section de Courche-Verdy, médaille d'argent remise par Suzanne Lefebvre, secrétaire administrative. J'ai l'honneur de te remettre la médaille d'argent. Claude Gauthier, président de la section de Marolles-Fossé, remise par Jean Coulombet, vice-président départemental responsable du secteur Nord. Mon cher Claude, au nom du président général de l'UNC, je te remets la médaille du mérite de l'UNC et je te remercie pour la récompense des travaux que tu as fait pour l'association. Jean-Claude Prieur, coprésident de la section de Celles-sur-Cher. Parce que Celles-sur-Cher, ils ont les moyens, ils ont deux coprésidents. Hein? Alors, remise par Robert Patin. Ah, bien. Chers collègues, au nom du président national de l'UNC, j'ai l'honneur et le plaisir de te remettre cette médaille UNC Argent. Merci. Jean-Claude Voisy, co-président de la section de Celles-sur-Cher, remise par Jean Giton. Au nom du président national de l'UNC, nous vous remettons la médaille argent de l'UNC. Le mérite UNC. Voilà, ben, bravo à tous les décorés. Et puis maintenant, ben, je vous invite à... Il y a des verres qui vous attendent, là, vous voyez. Donc, en attendant d'aller passer la croûte après. Et puis, il va falloir aussi enlever les chaises. Et puis mettre les tables. Groupir. Groupir. Bon, on va t'éclouer comme d'habitude.